Voilà. Pourriez-vous vous imaginer à la tête d'une entreprise ne fabriquant pas de produits de luxe, mais plutôt des biens d'investissement comme une machine-outil ou des consommables comme des outils? Bien sûr, parce que les machines sont aussi du luxe. Parce que le luxe, c'est la compétence. Le luxe, c'est l'excellence. Le luxe, c'est pas nécessairement ce qu'on croit, le bling-bling. Donc, moi, je serais passionné par les machines. Je serais passionné par la technologie. Je serais passionné par la créativité. Je serais passionné par l'excellence. Je serais passionné par la compétence. Donc, je m'imagine extrêmement bien dans ce milieu. Par contre, dans un milieu pauvre d'innovation, pauvre de compétences, pauvre d'excellence, là c'est impossible, là je n'aurai pas de satisfaction intellectuelle. Mais dans la machine, oui, parce que la machine c'est aussi du luxe. D'accord. Pensez-vous qu'avec un marketing qui sorte de l'ordinaire, il soit possible de vendre des produits médiocres? Non. Non, parce que la vérité finit toujours par triompher. Et la vérité, le marketing ne peut pas lutter longtemps contre. Même les crimes, même les scandales politiques, même l'assassinat de Kennedy, un jour la vérité sort. Et donc le marketing n'est qu'un objet de communication, de promotion, mais il n'est pas un objet qui donne de la substance. Et la substance est l'élément le plus important. Et chez nous, qui faisons beaucoup de marketing, nous devons aussi faire beaucoup de substance. Le marketing et la substance doivent toujours être égales. Si le marketing est plus grand que la substance, vous êtes en déséquilibre. Donc, et si la substance est plus grande et que vous le dites à personne, vous êtes dans l'autre déséquilibre. Donc, la substance et le marketing doivent avoir le même poids. Beaucoup de marketing, beaucoup de substance. Et donc, le marketing sans substance, c'est le feu d'artifice. Et c'est la flambée, et après, il n'y a plus rien. C'est comme si vous allumez un feu avec des allumettes. Alors, vous mettez des allumettes. Fou! Papa, regarde, le feu, il brûle. Puis, au moment, j'ai encore un téléphone à finir, j'arrive, je dis, mais il est où ton feu? Oh, il est déjà éteint. Bah oui, t'avais mis que des brindilles. Faut aussi mettre du lourd, c'est ça. Donc, le lourd, ça donne de la substance. D'accord. Et encore une dernière question politique. Quel remède faudrait-il administrer à nos entreprises pour doper leur succès? Quel environnement politique il faudrait améliorer? Moi, je pense qu'on est. Je suis apolitique, je ne fais pas de politique et je lis rarement des articles politiques. Il n'empêche pas moins que j'ai l'impression que nous avons déjà aujourd'hui un système politique qui favorise l'entreprise, qui favorise au niveau administratif, au niveau loi du travail. Bien sûr qu'elles sont parfois contraignantes, mais j'estime que nous avons un environnement très propice à l'esprit d'entreprendre. Je pense aussi que la politique nous a donné et nous donne un système éducatif exceptionnel, parce que l'éducation, c'est le futur. Et nous sommes, grâce à notre système scolaire en Suisse, qui peut être critiqué par-ci, par-là, ok, mais enfin, globalement et comparé à d'autres nations, nous avons un système éducatif exceptionnel qui va de l'école primaire jusqu'aux hautes écoles. Et les hautes écoles sont parmi les meilleures du monde. Et finalement, de quoi on a le plus besoin dans un pays, c'est de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre compétente. Et la compétence, elle se donne par l'éducation, par l'école. Et j'estime que le système politique nous donne des écoles extraordinaires. Et ensuite, numéro 2, le système politique nous donne aussi un système médical extraordinaire. Alors on peut dire, ouais, les caisses de maladie sont trop chères, et si, et ça. Oui, mais regardez un peu à l'étranger, et quand on regarde le système médical suisse, l'organisation de la médecine en Suisse, la compétence des grands hôpitaux universitaires suisses, mais on est dans les meilleurs du monde. Et quand la main-d'œuvre peut être la mieux formée de la tête et peut être la plus saine du corps, bah vous avez les deux éléments les plus importants. Un corps sain avec une tête compétente. Et c'est ça dont on a besoin. Et il faut que l'État, il faut que le système politique continue de nous donner de la compétence par le système éducatif et continue à nous donner de la santé par le meilleur système de santé du monde. Merci beaucoup.